Comment elle a pété? Oh non! Regardez-moi ce fion. Ce fion. Donc, voici le repropriétaire. Quand je dis ce fion, je parlais de la voiture, bien évidemment. C'est ça. Ne faisons pas d'amalgame. Donc, tu es venu me présenter ton beau jouet. C'est ça, petite 308 GTI. Petite 308 GTI, ça me fait bien plaisir parce que. Alors, je dis pas ça. Alors, attention, si je fais ça, est-ce que j'arrive à me filmer tout seul? Je dis pas ça par rapport. Parce que là, elle est là, elle est devant moi, à dire oh, j'ai toujours voulu en voir une, etc. C'est vraiment le cas, j'en avais déjà mis sur mon Instagram pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, une grise anthracite. Et cette voiture, je la kiffe de ouf parce qu'elle a pas mal de choses qui sont, tu sais, qu'on voit pas sur des modèles. Elle change vraiment en fait du modèle classique de la 308. C'est ça. Elle a pas la même gueule niveau des jantes, niveau des finitions, le cul avec les deux grosses sorties, le diffuseur. Moi, je suis vraiment fan. Une tonne 2 en plus. Tu viens de me dire que ça faisait une tonne 2. Ouais, une tonne 2. Putain, je suis grave étonné quoi. C'est super léger comme caisse. Ouais. Et pourtant, on se sent à l'aise. Ouais, c'est clair. Et moi, ce qui m'a impressionné, j'avais déjà vu, ça m'avait déjà impressionné, mais j'ai repris un petit coup de chaud tout à l'heure. T'es mal à la taille des freins. Donc, on est sur du 4 gros pistons. Ouais. 4 gros pistons. Diamètre, je sais plus. Bon, le diamètre là, franchement, on doit être en. C'est un plat. 320, peut-être. Oh, je sais pas, non, j'en sais rien. Ça doit être beaucoup. Oui. On va dire que c'est beaucoup, comme ça on dira pas. Ah, mais vous y connaissez rien. C'est ça. La gueule est bien jolie. Donc, tu m'as dit tout à l'heure que c'était une 2018. Ouais, septembre 2017. Septembre 2017, mais c'est modèle 2018. 2. Ouais, c'est la phase 2. C'est la phase 2, donc qui a perdu 7 chevaux, tu m'as dit. Ouais, là, les nouvelles là, qui sortent, elles sont à 263 chevaux. 263 chevaux, elle a perdu 7 chevaux par rapport à. C'est un kata par rapport aux normes européennes. Par rapport voilà, à l'antipollution. On a perdu un peu de cheval. Et. Et toi, voilà, toi, t'as tout, t'as les 263 quoi. 70 même. Ah, t'as les 70? Ah, ouais, moi j'ai les 70, ouais. Ah, d'accord, ah, je pensais que c'était la phase 2 qui était concernée par ça, la tienne. Non, pas la mienne. Ah, la tienne, elle est en. Ah, d'accord, ok, elle est en 270. Ouais. Et donc c'est l'1 litre 6 THP qu'on retrouve dans les RCZ. Ah, c'est possible, ça. Ouais, c'est ça, hein. Je crois. Enfin, je suis presque sûr même. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires sur quoi d'autres voitures. Sur quoi. Putain, je sais pas parler. Sur quoi comme voiture ce moteur-là est monté également? T'en as d'autres que tu connais comme ça de mémoire qu'ont ce moteur-là? Non. Je savais même pas qu'elle était sur le RCZ. Si, la RCZ, ça, la RCZ-R en fait. Ah oui. Elle a ce moteur-là. Ah, oui. J'étais en train de regarder la voiture, il m'a dit regarde derrière. J'ai le 220 dans l'auto. C'est ça. Impressionnant. Donc là, il y a une petite prise. Je sais pas si on verra bien. On voit. Tac. Il y a une petite prise. C'est-à-dire que tu peux pousser le vis. Tu peux faire une plancha derrière. Il suffit de se mettre à genoux. Chacun deux assis à l'arrière, une planche sur les genoux. Et une plancha du seigneur. C'est ça. À faire, sur l'autoroute. À faire frire des harengs sorts. Est-ce que tu peux nous montrer le coffre? Alors, le coffre. Bon, c'est simple. Ah putain, il est énorme. C'est pas mal. Ah ouais, c'est énorme. Tu mets 4 valises, facile. Est-ce qu'il y a encore des roues de secours? Non, j'ai un compresseur. T'as un compresseur? Et la fée du logis. La fée du logis du seigneur. C'est un truc de ouf maintenant. Il n'y a plus de voitures qui ont des roues de secours. Non. Je suis super étonné. D'ailleurs, je crois que je vais acheter une bombe anti-crevaison parce que le compresseur, j'ai pas confiance. Ah bah ouais, le compresseur, il va te regonfler un pneu qui est dégonflé quoi. C'est ça. T'as même une petite prise allume-cigare là, sur le côté. Bah ouais, même des prises allume-cigare. Ça, je pense que c'est pour le compresseur. Possible, ouais. Si le fil est pas assez long. Ouais, si le fil est pas assez long. Mais même pour le confort, hein, tu te mets une glacière, tu pars en vacances. Mmh. Et du coup, les sièges arrière sont rabattables, donc ça, c'est cool. Ouais. Si tu veux mettre un Banshee dans le coffre, faut savoir que c'est possible. Donc là, l'intérieur qui est vraiment impressionnant. Avec toutes les surpiqûres, vraiment, ils ont poussé le truc de loin. On dirait des. Tu sais, de loin, là, je vais me faire insulter, mais on dirait des sièges de lambeaux. Tu sais, il y a des Huracans. Mmh. Qu'on les mêmes espèces de zigzags à l'intérieur là. Non, on est très bien dans ces sièges. Ah, ils sont très bien finis, ouais, c'est clair. Très bien finis. Massant, chauffant. Branlant, ventilette. Ils sont ventilettes. Le compteur. Donc, tu m'as dit que le compteur, quand on mettait en mode sport, il s'allumait en rouge. C'est ça. Le petit volant. Bon, de toute façon, on va pas passer 3 heures
J'espère qu'on nous voit, sinon j'aurai l'air con. On va pas passer 3 heures à vous parler de la voiture, on va monter dedans et on va vous montrer ça en vidéo. Dites-moi, de ceux qui connaissent, dans ce que je suis sûr que c'est à ce moteur-là, t'es monté dans plein de caisses. Donc n'hésitez pas à me dire. Et dans la 208 GTI, c'est quoi dedans? C'est un 1.6 aussi? Ouais, mais elle est moins puissante, elle fait 200 chevaux, je crois. Oui, ça fait 200 chevaux, ça je sais, mais c'est un 1.6. Peut-être aussi, ouais. Ouais, peut-être, ça se trouve, c'est un 1.4 litre. Je sais pas. Ou un 1 litre. Tu veux voir le moteur? Ouais, je veux bien que tu nous montres le moteur avant qu'on fasse un petit essai du seigneur. C'est là? Tac. Je sais pas, je l'ai ouvert qu'une fois. Bon, après, je précise que elle est propre. Déjà parce que je pense que tu entretiens bien tes caisses. Oui, ouais. Mais surtout aussi, faut, voilà, il y a quand même pas trop de boulot sur une voiture qui n'a pas de borne. C'est ça, bah, elle est neuve. Elle est neuve, quoi. Pas que l'acheter neuve. Ah, c'est une voiture neuve. Le beau petit turbo du seigneur. Est-ce que... Oh, il y a eu un petit... Elle a fait une reprog. Mmh. T'as entendu? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tarifs? Ah oui, bah écoute, tout compris, malus, enfin manus. Ouais. 40 000 euros à peu près. Avec 40 000 euros. Avec crédit et tout. Ok. Voilà. Donc 40 000 balles, c'est une voiture qui sort de concession neuve et qui est quand même optionnée là. Ah bah elle est full, quasiment full. Elle est full. Disais, le seul truc qui lui manque, c'est le pack. Enfin, je sais pas si c'est un pack. Avec audio, un pack audio avec un son un petit à peu. À la place de la roue de secours, il y a un caisson basse. Il y a un caisson de basse, et d'accord. Et une meilleure. Un meilleur son dans la voiture avec c'est plein ça. D'enceintes, c'est etc. C'est le truc, je crois, qui manque. D'accord, parce que là, elle a le toit panoramique, elle a les grosses jantes, c'est quoi comme... C'est du 19 ? 19 pouces, ouais. Putain, c'est du 19. Elle a les freins immenses, mais ça, c'est de série, je pense ? Oui, ah oui, c'est peu... bah, de toute façon, elle est faite par Peugeot Sport. Hein. Ouais, ouais. Donc, non, mais je veux dire, y a pas... c'est pas une option sur la GTI, quoi. Donc, voilà. Non, parce que même en coloris, il n'y en a pas beaucoup, parce que tu peux l'acheter en, comment ça s'appelle, en bicolore. Ouais. Alors, c'est soit rouge-noir, bleu-noir, et je crois que les dernières, là, ils ont sorti un blanc nacré. D'accord. Voilà. Après, moi, comme ça, rouge, ça me va très bien. Elle est très jolie. Hein. Ouais. Puis on n'en voit pas souvent. Non, j'en ai jamais croisé. Non, c'est vraiment du bon boulot pour le coup. Ouais, c'est pas mal. Allez. Spotify, donc voilà. Avec une petite application Android sur le téléphone reliée directement. Voilà. Super. Et puis après, bah, t'as Waze, ça c'est la base. Ouais, voilà. Ça c'est très bien. Ah, c'est vachement bien, ça fait ouais. Vraiment les applis d'un téléphone, quoi. C'est ça. Et après, bah, t'as la Navi Peugeot. Là, la navigation Peugeot, ouais, bah bon, pareil, mais bon, Waze. Je préfère Waze parce que c'est voilà, les ça radars, prévient c'est mieux, etc. Et puis, bah, toutes les commandes, tout est numérique en fait, tout est ouais, tactile et tout, quoi. C'est vraiment, de toute façon, c'est une voiture super récente, hein, ouais, ça se voit. Le téléphone, t'as les paramètres de la caisse, ah, c'est sympa. Voilà, t'as les détecteurs, le petit truc. Et tu peux me montrer ce que tu le petit mode sport qui est juste là, c'est parti. Et attends, là, ça, voilà. Ah, ouais, d'accord. Quand tu mets en mode sport, ça met tout le compteur en rouge. Compteur en rouge. Et ça augmente le nombre de tours minutes, j'ai entendu. Je pense, ouais, il y a doit être plus de gagner 200-300 tours. Voilà. Puis tu sens aussi dans la direction que c'est plus rigide. Un petit peu plus de pression dans la pompe de direction, si c'est ça. Seigneur. Et le bruit. Et le bruit. Et le bruit, tiens, je te mets. Belle. Bon, là, on n'entend pas trop. Je sais pas si c'est ce que ça rend de l'intérieur, ouais. Mais c'est déjà pas mal. Et le contour bloqué à 4000. Ouais, il bloque à 4000, ouais, pour Anti Google. Voilà, voilà, c'est ça, exact. Donc, bon, on va voir voilà. Ce que ça donne de l'intérieur. Alors, montre-nous comment ça sauce. Putain, ça s'arrête jamais. Oh la vache, les gars. Oh la vache. Attention, ralentis, parce que là, va falloir que tu freines fort. Oui, je sais que tu as des freins énormes. Je sais que tu as des freins énormes. Là, tu peux prendre à gauche, si tu veux. Ouais, non, franchement, ce qui est impressionnant, et c'est souvent le problème des voitures avec des moteurs turbo, c'est qu'on on arrive vite à une plage de tours minutes où ça stagne. Mmh. Et là, j'ai l'impression qu'il tire tout le temps. Mmh. À la fin. À la fin. À la fin, la salope. Là, tu peux filer tout droit. Ah oui, c'est que toi, tu fais les priorités à droite. Non, j'ai confiance en toi. Ah ouais, mais non, mais t'as raison, mais moi, tu sais, j'ai pas tout le temps le réflexe de voir une priorité à droite. En fait, j'ai jamais passé le permis. Non, franchement, les sensations à bord, c'est vraiment pas mal. Il y a cet effet que tu retrouves pas dans toutes les voitures où t'as l'impression que ça tire tout le temps, tout le temps. Là, frérot, tu peux reconnaître mes traces. Regarde ça. Ah, c'est moi cette semaine. Là, tu peux aller c'est tout qu'une. Droit. Tu peux aller tout droit là-bas. Alors là, par contre, ouais, je fais gaffe. J'ai déjà pris une caisse en 103 ici. Ah. Non, franchement, c'est pas mal. Et même à conduire, on est bien dans les sièges, comme tu disais tout à l'heure. C'est confortable, on sent que ça tient le pavé, ça dégage une sensation de voiture neuve de toute façon. Directement, on le sent qu'une voiture neuve, il n'y a pas de bruit,
tu sens que tous les cylindres blocs, tout est raide, tout est propre. Ouais. Là, tu peux filer. Encore une petite priorité du Seigneur. T'as entendu le bruit alors? Elle, elle a pété un peu? Ouais, carrément. Genre, c'est impressionnant, de l'intérieur de la voiture, c'est super aseptisé. Ouais. T'avais jamais entendu? Non, c'est bah non, bah non. C'est super aseptisé de l'intérieur de la caisse. T'as pas de bruit particulier, ça fait un petit bruit sport, mais tu sens pas les petits claquements, les petits proutes. Là, quand t'es passé devant moi, j'ai halluciné. Ouais, ouais. Ça a fait vraiment comme une espèce de Golf GTI, un truc comme ça. Là, tu sais, non, c'est vrai. C'est énorme. Les petits bruits de retour de turbo, d'accélération, c'est vraiment pas mal. Mm. Impressionné par comment, par le fait qu'elle tire tout le temps. Ouais. Même dans les tours. Et ça marche à mort. Hein. C'est efficace. C'est efficace de ouf, mais putain, je m'attendais vraiment pas à ça. Comment tu repars en deuxième? Bon, après, c'est de la triche, mais je vais klaxonner, il y a ma run. Ma mère, elle va câbler. En fait, pour ceux qui comprendraient pas, là, ma maman, elle est chez des amis à nous et on passe devant, en fait. C'est un voisin. Putain, ça s'arrête jamais, c'est un truc de ouf. Même en 3, comment ça repart? Ah oui, tout le temps, même la 4. Oh la vache! Eh non, mais c'est ultra efficace comme caisse! Ah oui, et puis c'est précis, c'est. Et là, sur circuit, ça doit être une dinguerie. Ouais. Sur circuit, ça doit être une pure dinguerie. Là, je repars en 3, je suis à 60. Oh là 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 là! C'est un truc de fou! Tu raccélères et. Putain! C'est impressionnant! Et le freinage, effectivement, tu le sollicites pas. Hein. Mmh. Franchement, t'as jamais. Bah non, t'as prévu d'aller faire du circuit avec, non? Bah, je voudrais pas la casser si tu veux. Ouais, tu veux pas la casser, mais tu sais, tu peux te mais faire pourquoi des pas roulages. Ouais. Tu veux te faire un petit roulage tranquille, tu sais, sans vouloir impressionner personne, juste pour histoire de s'amuser. Ouais. Passer des bons petits délires. J'aimerais bien, ouais. Bah, je crois qu'il y a un circuit, c'est à l'OEAC. Ouais, bah là, je vais faire une journée là-bas où Il y a des gens qui pourront rouler gratos. Petit bouton start and stop. Ah merde, je l'ai éteint du coup. Ah le connard. Non, c'est que j'ai appuyé deux fois comme un idiot. Je lui ai pas laissé le temps, j'ai cru qu'elle avait pas répondu à ma question. Donc là, t'as le frein à main qui se défait dès que t'accélères. Ouais. Est-ce qu'il y a automatique. Est-ce qu'il y a cette saloperie de start? Arrête. Oui, il y est. Il y est, le con. Ouais. D'ailleurs, il est activé là. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas la fenêtre pour faire une petite accélère? Qu'est-ce que t'en penses? Mode sport, on peut le faire en roulant? Ah oui. Ouais, c'est bon. Était rouge. Allez, attention. Tuning. Ah, j'entends la fenêtre ouverte. J'ai entendu le turbo qui déchargeait. Tu t'avais remarqué ça? Ouais. Le petit pchit. Ouais, ça fait. Putain, c'est excellent. Alors, moi, ce qui m'impressionne, je sais pas si tu peux arriver à filmer le compteur. Putain, t'es un bon caméraman. Ouais. Quand j'accélère, on voit la puissance en barre. Développé par les turbos, les newton mètres et les chevaux, c'est ouf, regardez ça. Et là je repars en 4, ça repart très fort. Oh la vache, c'est impressionnant, tout autant que les freins. Les freins sont impressionnants. Tu frôles en fait, c'est ça le gros avantage d'avoir des gros freinages, c'est que tu frôles, tu lèches un peu et c'est vraiment pas mal. Et c'est sécure. Et pourtant, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir des gros freins derrière, parce que derrière, on a des freins vraiment classiques, normaux, on va dire. Ouais. C'est vraiment, ils ont tout misé à l'avant, mais c'est sûrement une question de poids, c'est une possible. Répartition, etc. Parce que tu regardes une M3, par exemple, les disques arrière sur une M3, je parle d'une E46, je ne sais pas si c'est le cas sur les modèles d'après, mais moi, j'ai eu des E46. Les disques arrière sont plus gros que les disques avant, d'accord. En diamètre. Alors, les étriers sont pas les mêmes, hein, ils sont quand même plus petits à l'arrière, mais les disques sont plus gros, et du coup, t'as un freinage, tu sens quand tu freines fort en M3 46 que tu sens que l'arrière s'assoit aussi, tu vois. Ouais. Parce que, à mon avis, c'est pour des questions de perte d'adhérence, des trucs comme ça sur des gros freinages, je sais pas trop. Je me pose plein de questions existentielles sur les voitures. Mais je me dis, les mecs qui peuvent répondre à tout, c'est vraiment des ingénieurs de ouf. Parce que ça, c'est pareil, tu vois, les questions de freinage, tout ça, pourquoi il y a des voitures qui ont des énormes systèmes de freinage à l'arrière et d'autres pas? Ouais, c'est vrai. Tu vois, ta voiture elle freine très très bien, mais pourquoi elle a des gros freins qu'à l'avant? Et enfin, c'est bizarre. La R8 elle avait des freins immenses à l'arrière, mais t'avais l'impression que ça freinait pas de l'arrière.
D'accord. Mais c'est pas donc c'est pas de propulsion. La R8, non, c'était une 4 roues. Une 4 roues, ah ouais. Et la R8, quand tu regardais la taille des freins, les freins arrière étaient aussi gros que ce que t'as toi à l'avant. Mmh. Et les étriers, c'était en gros les mêmes que t'as à l'avant. D'accord. À l'arrière. Ah ouais. Et devant, c'était du 8 pistons. Mais t'avais l'impression qu'elle freinait pas de l'arrière, la voiture. Ah ouais. Ouais, c'était c'est super particulier comme caisse. Là, on est devant le. On est devant le petit troquet du coin, le bar du coin. La Chopine. Là, si tu veux, les gens en général, quand ils viennent dans ces bars-là, ouais. Donc c'est en général les gens qui viennent chasser autour de chez moi, c'est les chasseurs de chez moi. Je vais pas me faire d'amis, mais bon, c'est la guerre. Et ces gens-là, en général, ils arrivent vers 7h du matin, mmh. Ils repartent vers 7h du soir. Des punks. Non, en général, c'est des chasseurs qui font 140 kilos. Ouais. Et les mecs qui sont là du matin, c'est plus un nez, c'est un fraisier carrément. Je te jure. Les mecs, tu les vois dès le matin, ils sont là. Moi, j'ai rien contre les chasseurs. Vraiment, j'ai rien contre les chasseurs. Mais le problème, c'est qu'il y a une espèce de petite guerre qui s'est déclenchée chez nous. Parce que, genre, ils viennent, ils coupent les clôtures de nos chevaux. La police ou la gendarmerie nous appellent des fois le matin à 6h. Ouais, votre cheval, il est en ville, il est devant le G20. Il a la tête dans la pharmacie, on fait quoi? Et c'est super chiant du coup. Et nous, les chasseurs, par chez nous, tu les vois le matin, hop, 11h, ils sont là, ils sont à la deuxième mi-temps. Ils sentent les cubides rouges, ils posent sur le toit du C15. Et puis c'est parti des petits godets. À mon avis, ils ont des. Dans la cartouchière, à mon avis, ils ont des petits fly, des petits flashs, des petits flashs de pinards. Après, c'est plutôt rigolo qu'autre chose. C'est clair. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est le fait qu'en fait, ces mecs-là, ils viennent nous emmerder, tu vois, alors que nous, on leur demande rien. On leur demande rien, mais ils viennent nous casser les couilles. Puis en plus, un mec alcoolisé sur la voie publique avec une arme, c'est quand même. C'est chaud. C'est quand même pas super sécure. Après, moi, j'ai rien contre les chasseurs qui chassent bien, mais les mecs bourrés, là, franchement, c'est super relou. Mais bon, c'est la campagne, c'est les joies de la campagne. Mmh. Tu sais qu'à tout moment, tu peux te prendre un coup de fusil parce qu'il te confond avec du gibier. Des fois, je te jure, je passe en moto dans une forêt. Je me dis, mais là, mon gars, ils vont me tirer dessus, quoi. Ça se trouve, avec 4 grammes dans chaque oreillette, ils croient que c'est un sanglier qui passe, tu vois. C'est ça. Même sans appuyer fort sur les gaz, ça tire, putain, c'est impressionnant. C'est vraiment pas mal, hein. Tu dois vraiment te régaler à rouler... C'est ta voiture tous les jours? Ouais, tous les jours, ouais. Putain, ça doit être un régal. Ah ouais, je prends du plaisir. Le petit volant, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais le petit volant tout petit là, avec la petite bande au milieu pour se centrer, enfin, c'est énorme. Même au tableau de bord du mec Pégat, tout à l'heure, t'avais un capteur de G, que tu pouvais voir l'inclinaison, les consos en direct et tout. Ouais, ça c'est complet, ouais. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ah merde, je suis parti pour rentrer chez moi. Mais mon véhicule du quotidien, je l'ai garé là-bas. Je vais faire un demi-tour à un endroit où il n'y a pas de la merde, où il n'y a pas un tracteur qui est venu vider son fumier. Parce que ici, c'est que ça. Ouais. Mais on aime ça, hein. Sinon je serais pas à la campagne. Hein. Tu sais, là les gens, ils doivent croire que je critique, mais moi j'aime bien. Voir les champs, être tout seul, ne jamais être emmerdé. Personne pour venir faire chier. En fait, le seul casse-couille ici, c'est moi. En fait, des fois, je réfléchis, je me dis, mais il n'y a pas de gens chiants ici. Il n'y a que moi. Parce que les gens, tu sais, les gens, ils sont là. Il y a des Parisiens qui achètent des grosses maisons à côté de chez moi. Et les mecs, tu vois, c'est des gens qui sont là. Ils ont de l'oseille, ils ont passé leur vie à Paris ou dans des grandes villes et tout. Ils viennent là pour être au repos. Et moi, je suis là dimanche matin, je fais du tir sur cible avec un fusil de chasse. Je démarre ma motocross. On fait n'importe quoi. Ils doivent péter les plans. Mais bon, je ne répéterai jamais assez, c'est les joies de la campagne.